Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Suborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous, c'est vous de tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, dites-moi. Que feriez-vous si jamais votre partenaire vous trompait? C'est un cas de fidélité. C'est extraordinaire! Partagez cette vidéo et nous découvrirons ensemble des choses extraordinaires ici. Ici, nous verrons une femme. Une femme qui a surpris son mari avec une autre dans sa voiture. Allons au studio tout de suite. Allons voir. Ah! Nous verrons tant de choses ici. Waouh! Si vous avez peur de tout pareil, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous êtes même prêt? Ok, allons au studio. Cas de fidélité! Aïe! Le gars, il trompe sa femme où elle parle pas. Il trompe la femme où elle parle pas. Aujourd'hui, il a trompé, elle a attrapé où? À l'hôtel. Regardez même ça. Il a attrapé la femme à l'hôtel. Bon, la femme l'a attrapé à l'hôtel, quoi. Comme vous le voyez. Mon Dieu. Alors là, c'est extraordinaire. Et il est là. Il bat le passage à la femme. Parce qu'elle veut entrer dans la chambre pour voir qui est là-bas. Ou encore avec qui il la trompe. Mon Dieu, que va-t-il se passer? Vous allez tout voir ici. Ça, c'est vraiment hors du commun. Ok, soyez maintenant prêts. Nous allons voir de vraies choses. Regardez ça. Ici, on voit une femme. Une femme qui est assise sur une voiture. Empêchant les gens qui sont à l'intérieur de sortir. Et qui sont ces personnes? Ce sont tout simplement son mari et une copine. Elle est attrapée. Elle est juste là comme ça, assise comme ça là-dessus, sur la voiture. Elle dit, ne bouge pas aujourd'hui et elle ne bouge pas demain. Ah, si tu ne bouges pas, comment vas-tu sortir? C'est qu'elle est sur sa décision. Elle dit qu'elle est là, tranquille. Son mari la trompe avec une jeune fille. Comme vous le voyez pas d'abord, la film. Les gens ont filmé. Elle est carrément sur la voiture, hein, sur le capot, non? Mais regardez. Elle ne veut pas descendre. Wow. Regardez, elle est carrément assise, carrément sur la voiture, hein, et les deux sont à l'intérieur du véhicule. Alors là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Elle est là, hein. Regardez, elle est ici. Elle refuse carrément de descendre. Si c'est vous qui êtes à sa place, que feriez-vous? C'est un cas d'infidélité, hein? C'est même chaud. Regardez ça. Il klaxonne, mais ce n'est pas son problème. Wow! Quelqu'un dit toi tu vois le mari de quelqu'un. Et si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Hein? Elle est là. C'est dans la nuit. Hein? Dans le noir. Elle refuse carrément de descendre. Elle refuse carrément. Hein? Elle ne descend pas. Wow, ça c'est une affaire terrible, hein. C'est une affaire terrible. À sa place, que feriez-vous? Vous venez de voir, c'est pas de la blague, c'est ce qui s'est passé que nous venons juste de vous montrer. Wow, elle est même assise sur la voiture, elle ne descend pas. Wow, cas d'infidélité, ça c'est encore rien.
Dieu, ton ami qui a coûté ça, ce n'est encore rien. Dieu, ta soeur qui a coûté ça, ce n'est encore rien. Comparé à ce que nous allons maintenant vous montrer. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous avez partagé cette vidéo? Allez-y, partagez cette vidéo maintenant. Partagez cette vidéo et soyez même prêts. Ok! C'est parti. Regardez ça. Ici, cette femme est venue saluer son mari dans sa chambre d'hôtel. Non, 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 non. Elle n'est pas venue lui saluer. Elle a juste surpris le gars dans une chambre d'hôtel en train de faire les choses. Et ça risque de mal tourner. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Regardez. Elle veut entrer dans la chambre pour voir ce qui se passe là-bas. Il refuse. Regardez comment il fait un sac. Il bouge même la fille, même avec son gros ventre en plus. Vous voyez? Les gens sont venus séparer cette affaire. C'est un cas d'infidélité. Est-ce que vous vous imaginez ça? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être infidèle? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à être infidèle? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à être infidèle? Il y a des gens qui disent, ah si, il y avait tout à la maison, je ne sortirais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui a dit que quelqu'un est parfait? Nul n'est parfait. Mais on peut apprendre à devenir un peu meilleur, un peu bon. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Maintenant, ce que nous allons voir, ça va vous étonner. Un pasteur a été surpris dans une chambre d'hôtel avec une femme, la femme de quelqu'un. Ah, le pasteur n'a pas réussi à résister à la tentation. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Regardez ça, mes frères et sœurs, c'est étonnant. Comme vous le voyez, le pasteur est ici, on l'a attrapé. Waouh! Ça c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et ils ont aussi attrapé la femme, vous voyez. La femme aussi a été attrapée. Les deux ont été surpris dans la chambre là-bas, en train de faire les trucs bizarres dans la chambre d'hôtel. Ah! La femme même, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est-il passé au juste? Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Vous voyez, on les a attrapés juste comme ça. Juste comme ça. C'est un truc extraordinaire. Hein? Regardez la femme. Et regardez, les deux sont attrapés juste comme ça. Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Un seul jour pour le propriétaire. Comme vous le voyez, la femme est là. Elle se plaint. Et voici. Et c'est son mari qui est ici, le mari à la femme. Il parle. Voilà, on les a attrapés. Le monde est venu pour voir. Regardez. Et c'est là le lit sur lequel les deux étaient. Et l'hôtel même s'appelle Happy Night Guest House. Mon Dieu. Regardez. C'est vraiment terrible, 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 terrible ce que nous vous montrons. Mon Dieu. C'est terrible, hein? Ce sont des trucs terribles, 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 terribles. Terrible, terrible, terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et ce que les gens sont même prêts à faire, même ce que les gens font en secret. Maintenant, ici, nous allons poser une question à un homme. Est-ce qu'il est prêt à faire certaines choses comme à donner sa femme à quelqu'un d'autre pour 20 milliards? Alors, là, il va nous donner sa réponse. Et vous serez même surpris par ce qu'il va nous dire. Franchement, ça m'a étonné. C'est pourquoi je partage cette vidéo avec vous. Est-ce que vous avez même partagé la vidéo? Allez-y, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Activez la cloche, ne manquez pas la prochaine vidéo. Regardez ça, écoutons-le. Ici, la jeune femme, elle est ici. Elle va lui poser une question. Écoutons. 1 milliard.
pour que ta partenaire te trompe, vas-tu accepter? On te donne 20 milliards pour que ta partenaire te trompe, vas-tu accepter? Écoutons sa réponse. Réponds encore. On te donne 20 milliards pour que ta partenaire te trompe, vas-tu accepter? Tu? Zéro. Me tromper? Oui. À cause de l'argent? 20 milliards? Oui. C'est pas possible. 20 milliards, c'est pas 20 000 francs. Je sais, 20 milliards. Je partage ma femme avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Non. Mais c'est quelle question comme ça, madame? Donc tu vas laisser l'argent à partir comme ça? Mais là j'ai fait quoi avec l'argent? Peut-être qu'elle te trompe, tu ne sais pas. Elle n'a qu'à me tromper. D'autant plus que c'est pas moi qui la trompe. Ça me va. C'est elle qui va te tromper, c'est elle qui te trompe. Oui, elle n'a qu'à me tromper. Mais si ça vient pas de moi, ça n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai peur de Dieu, hein. Et demain, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Il dit que lui, il a peur de Dieu. Et il dit, mais demain, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Les gens font les choses sans savoir que Dieu le voit. Vous venez juste faire l'arrière et écoutez ça encore. Donc, tu vas laisser l'argent à partir comme ça? Mais là j'ai fait quoi avec l'argent? Peut-être qu'elle te trompe, tu ne sais pas. Elle n'a qu'à me tromper. D'autant plus que ce n'est pas moi qui la trompe. Ça me va. C'est elle qui va te tromper, c'est elle. Oui. Elle n'a qu'à me tromper, mais si ça ne vient pas de moi, ça n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai peur de Dieu. Hein. Et demain, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Et déjà, même quand je partage, tu partages une femme. Vous deux. Très vite, tu vas mourir même. Dieu! Accident, boum! L'argent est resté. Qui va manger ça? Ils vont manger ça après moi. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Mais venez juste un peu encore en arrière pour bien écouter cet homme-là. On te donne 20 milliards. Pour que ta partenaire te trompe, vas-tu accepter? Répète encore. On te donne 20 milliards. Pour que ta partenaire te trompe, vas-tu accepter? Zéro. Me tromper? Oui. À cause de l'argent? 20 milliards? Oui. C'est pas possible. 20 milliards, c'est pas 20 000 francs. Je sais, 20 milliards. Je partage ma femme avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Non. Mais c'est quelle question comme ça, madame? Donc tu vas laisser l'argent à partir comme ça? Mais j'ai fait quoi avec l'argent? Peut-être qu'elle te trompe, tu ne sais pas. Elle n'a qu'à me tromper. D'autant plus que ce n'est pas moi qui la trompe. Ça me va. C'est elle qui va te tromper, c'est elle qui te trompe. Oui, elle n'a qu'à me tromper. Mais si ça ne vient pas de moi, ça n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai peur de Dieu. Hein. Et demain, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Et déjà, même quand je partage, tu partages une femme. Vous deux. Très vite, tu vas mourir même. Dieu! Accident, boum! L'argent est resté. Qui va manger ça? Qui va manger ça après moi? Non, je ne peux pas. Ok, merci beaucoup. Comme vous voyez, mes frères et sœurs, vous avez entendu. On lui dit, tu partages ta femme avec quelqu'un pour 20 milliards. Il a même supprimé par la question. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec vous? Quelle est cette question-là même? Pour 20 milliards, tu me poses de telles questions, tu me dis, non, c'est pas possible là! Il a dit quelque chose de très important. Il dit, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Si elle fait tout pareil, je donne ma femme à quelqu'un, puis je fais tout pareil, qu'est-ce que moi je vais dire à Dieu? Pour 20 milliards, et si tout de suite là, je prends l'argent et une voiture me cogne, et que ce n'est, je ne suis plus. Les gens vont bouffer cet argent. Waouh! La vie après la mort compte beaucoup. Et toutes les décisions que nous prenons ici, nous allons franchement répondre devant Dieu parfois à tous ces actes. C'est bien réel. Il y a des gens qui approfondent de n'importe quoi, sans même se soucier même de la présence de Dieu, de la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous. Dieu que nous voit tous. Mon frère, tant qu'il tombe ta France, toi qui trompes ta femme, arrête-moi ça aujourd'hui. Tant qu'il tombe ton mari, arrête-moi ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dieu te voit. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? L'amour que tu trouves dehors là, tu penses que c'est simple. Mais les démons aussi font ça. Le rôle des démons, c'est de faire en sorte que l'amour que tu as pour la personne qui se trouve dehors là, soit intéressant. C'est ça le rôle. Il veut rendre ça très intéressant. De sorte que toi,
tu puisses rester dans ton péché et mourir dans ça. Arriver devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Que vas-tu dire à Dieu? Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, partagez cette vidéo. Et dites-nous ce que vous en pensez. Notre vidéo va venir. Elle apparaîtra ici. Vous pouvez la regarder en attendant que la nouvelle vidéo arrive pour la remplacer. Ça va être chaud. Abonnez-vous sur notre chaîne. Si vous n'avez pas compris, quelques questions sont bonnes, allez voir aussi. C'est très important. C'est parti. Faites attention à vous. Let's go.